Toute la corporation elle est là, donc la blouse blanche. C'est-à-dire nous, notre point qui nous touche le plus, le point essentiel, c'est défendre l'honneur de la profession médicale. Hein? Et puis défendre l'intérêt du malade. On est là pour. Donc on vient de loin, il y a des gens qui viennent d'Alger, d'autres de Bière, venir travailler ici, c'est au service du malade. Donc on est apolitique, on ne fait pas de politique et tout le monde travaille. Et je pense que le CHU de Dir Mohamed de Tizi Ouzou, c'est une référence. C'est un CHU à vocation, je peux dire, régionale, peut-être nationale. Nationale. Donc c'est tous les services qui bossent, qui travaillent. Et maintenant, on était surpris un peu par ces agissements. Hein? Je considère comme étant un non-événement, parce que ce n'est pas la première fois. Donc, déstabiliser un staff, la direction générale ou autre, on est là pour travailler au service du malade, du citoyen. Et je pense que tous les services travaillent. Mais on espère à une meilleure prise en charge, toujours. On est optimiste à une meilleure prise en charge du malade. Hein? Vu les conditions qui m'égoulent, il y a un équipement, Mashallah, hein? C'est dans tous les services. On est bien équipé. Maintenant, manager les esprits, c'est autre chose. Bon, c'est vrai, on est un petit peu par rapport à d'autres, si on se compare avec nos voisins et tout, mais c'est un peu cette maturité professionnelle. Donc, on agit dans ce sens pour éduquer, pour obtenir de meilleurs résultats. Ça. Je vous remercie. Merci. L'association pour le Moudjahidin de l'Aoula de Zouzou soutient le premier responsable du CHU. Le débat qui tourne ces derniers jours, c'est un débat qui est non fondu, non fondé. Au niveau du CHU de Tizi Ouzou, nous recevons des malades d'un peu partout d'Algérie. On les prend en charge correctement. Bien sûr, on les prend en charge de la meilleure façon possible parce que sinon, ils ne seraient jamais venus ici. En matière de moyens, on a les moyens. On a pour gérer, on gère avec ce qu'on peut. C'est l'état du système de santé. Maintenant, aller s'attaquer à des gens ou bien à des professionnels dont je suis un, s'attaquer qu'on ne travaille pas ou bien qu'on fait de la ségrégation ou bien que les salles opératoires ne travaillent pas, je pense que c'est une discussion qui ne doit pas avoir lieu. Il y a d'autres sujets qui méritent d'être débattus hors ce sujet. Okay? Merci. Le chef de service, le conseil scientifique du CHU Tizi Ouzou, il m'a dit la population à qui nous sommes allés, c'est un lieu sain et pour le préserver, il ne faut pas toucher un établissement de santé qui est une institution publique. Merci.